Auparavant, il y avait une salle de sport, la salle de Lagrange, et nous avons préféré nous orienter sur une salle qui puisse accueillir bien évidemment la pratique sportive, mais aussi des manifestations le week-end. C'est une mesure qui a été prise de commun accord avec le conseil départemental. Donc cette salle sera une salle de sport, mais aussi une salle de spectacle. Il y a 5 ans, en effet, la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, qui pouvait accueillir 300 personnes, a été détruite. C'est aussi en ayant à l'esprit qu'il fallait la remplacer qu'a été pensé ce nouvel équipement. La salle de l'abbaye dispose donc d'une jauge maximale de 1000 personnes, 800 en configuration spectacle. Le coût de sa construction s'élève à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui ont été financés par l'agglomération qui a versé 1 million d'euros, par le département qui a versé 1,5 million, par la région aussi, et également par l'agence du sport et aussi par l'agence de l'eau. Un équipement qui a aussi bénéficié dans sa conception d'attention environnementale et durable. On a essayé de manière à réduire un peu notre facture énergétique, à créer sur la toiture de cet équipement 235 panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter le bâtiment, mais aussi d'alimenter les bâtiments annexes tels que la médiathèque ou encore celui de la police municipale. Il y a également la végétalisation de certaines parcelles sur la toiture et surtout la récupération des eaux de pluie qui nous permettra d'alimenter les toilettes, par exemple. Bon, c'est toute petite chose qu'il fallait quand même mettre en place dans le cadre de ce changement climatique.